Ce n'a qu'à beau nettoyer, madame va jamais apprécier mon travail. Pourtant, moi, je travaille chez les Blancs. Monsieur et madame Pot de Vin. Ils ont toujours apprécié mon travail, surtout monsieur. Mais cette dame-là, je ne sais pas ce que je lui ai fait. C'est pas ça qui va me faire quitter mon travail de toutes les façons. Je crois que je n'ai rien oublié. La dame-là va venir crier encore. Nous autres, on n'a pas eu la chance dans la vie. Si je suis là, c'est pour son mari. Enfin, je vais dire que mon patron est très gentil avec moi. Sinon, il y a longtemps, je suis partie. Ça va arriver, c'est pour prier sur les gens. Oui! J'arrive! Qu'est-ce qu'il y a depuis là? J'ai demandé combien d'argent sonnerie là. Ils ne sont pas encore arrivés. Non, madame. Non, madame, non, madame. Et mon mari? Il n'est pas encore arrivé. Ah, lui aussi, il n'a qu'à venir. Et à chaque fois, il se fait attendre comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Fait la table. Oui, madame. Et pourtant, vous avez travaillé chez des Blancs. Bien sûr, madame. Et c'est comme ça que vous faites la table là-bas. Oui, madame. Ah! Mademoiselle, c'est comme ça? C'est pas comme ça on fait ma table ici. De toutes les façons, si vous ne savez pas faire la table, vaut mieux dire la vérité. Quand vous voulez chercher travail, vous dites, je travaille chez des Blancs, je travaille chez des Blancs. C'est comme ça on arrange les couverts. Qu'est-ce que je disais l'autre jour? Hein? Qu'est-ce que je disais? Hein? Je vais refaire, madame. Va refaire ça tout de suite. Et puis dépêche-toi. Ça, mets ça ici. Mets là. Mets ça ici aussi. Ça. Mets là-bas, c'est quoi? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça là? Ça, oui. C'est ma robe. C'est ta robe. Oui, madame. Attends, mademoiselle, tu es venue chercher le travail ou tu es venue chercher le garçon? Oui, madame. Quoi? Tu es venue chercher mon mari? Non, madame. Mais quoi alors? Je ne veux plus te voir avec cette robe. Si c'est pour venir montrer ta cuisse à mon mari, tu vas partir dès aujourd'hui même. Madame, c'est la seule. Je dis, je ne veux plus voir ça. Va là-bas. Quand tu fais. Ah bonjour, vous êtes là. Oh, quand tu fais, je te réchaufferai. Je te réchaufferai. Oh, que te réchaufferai, je te réchaufferai. Hein? Bonjour. Tu te crois à l'opéra ou bien tu te prends pour Kimi Hassan? Oh, tu sais, ça me rappelle mon bon vieux temps. Tu sais, tu te rappelles là quand on était à Paname. Au bord de l'œil. Bien, on peut passer à table? À chaque fois, tu te fais attendre. Pourquoi? Je t'ai dit que j'ai des affaires à régler au bureau avant de rentrer. Un chef doit tout nous quitter le dernier. Aïe! Combien de fois dois-je... Enfin, on va aller manger. Je te réchaufferai, je te réchaufferai. Ah, je crois que... C'est formidable, elle a très bien fait la table, hein, la petite. Je savais très bien que cette petite allait nous donner beaucoup, beaucoup de satisfaction. Qui t'a dit ça? C'est moi qui suis venu arranger cette table-là. Comment toi? Elle n'a rien fait. Elle connaît rien.
pourtant, je pensais que... Quand même, je crois que elle a travaillé avec chez un couple blanc. Nous ah, a... ouais. Oui, mais non, ça, de toute façon, elle s'est trompée, quoi. Ouais, c'est pas grave. Maison. Dans une maison comme ça, il faut quand même quelqu'un de potable, une jeune fille présentable. Nous avons des amis qui viennent ici. Hein, pour... elle est propre, ça, c'est... Comme puis, toujours. Ouais, après. La première, tu l'as chassée, sans motif, enfin. Bon, et Delta... Delta! Delta! Hein? Delta! C'est Akishi! Ah oui, d'accord, oui. Akishi! Akishi! C'est Akishi! Tu sais pas prononcer Akishi aujourd'hui? Ouais. Elle a bien dit. Oh! Qu'est-ce que tu vas chercher encore là? Pas m'énerver ce midi là. Ouais, ouais. Faut passer ici. Non, mais c'est à toi d'abord. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Ben, j'avais demandé de steak frites, moi. Non, non, j'ai demandé qu'on fasse du poulet. Le soir, tu manges là les frites. Le steak, pardon. En fait, c'est toi la patronne. C'est tout à fait normal. Monsieur, vous avez demandé quelque chose? Non, 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 Delta, ça va pour moi. Merci. Oui, donc tu envoies le petit vin, là, le fond. En tout cas, il faut dire à ta bonne, je dis que je ne veux pas avoir cette robe-là. Qu'est-ce qu'elle a encore, la robe? Regarde la robe qu'elle porte. Elle est venue te montrer sa cuisse ou bien elle est venue travailler. Oh, écoute, il fait chaud. Il fait chaud. C'est ce qu'on appelle la mode maintenant. Ah. C'est ça, la mode. La mode. Non, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas envie d'avoir des jeunes filles qui... Maintenant, les pentes, c'est ça, la mode. Ah, oh, mais non, serre-toi, je me servir. Ah, la mode... Les banques doivent maintenant porter des mini pour montrer la cuisse au patron. D'accord, voilà. Bien. Voilà. Non, mais je crois qu'il faut un minimum quand même de gentillesse. Ouais, ça va. Voilà, comme ça, toi, tu prends tout là-bas. Hein. Toi, c'est quelle façon de servir ça? Hein? Oui, tu peux pas te placer là-bas? Hein? Excuse, oui, madame. Oui, la cuisse Delta. Madame, ah, toi, tu aimes bien les cuisses? Ah, tu sais bien que j'adore les cuisses. Ah ouais, c'est cuisses. Pas pour rien. Le poulet. Bien sûr, tu peux aimer toutes les cuisses. Tu vas me laisser manger, oui. Tu peux manger? Mais alors, quelle est cette façon de manger? Et toi, tu cherches quoi derrière, là? Non. Donne-moi mon vin, là-bas. Oui, tu cherches quoi derrière, là? Arrêtez! Monsieur, madame n'a pas donné l'argent pour le vin. T'as encore oublié de me donner mon vin bouché, celui que j'aime. Je lui ai demandé ma refoulée, monsieur. Elle a demandé ta refoulée. Ah ouais? C'est la patronne ici. C'est elle qui est la patronne, c'est moi. Je dis. Pardon. Tu ne prends pas le vin à table. On ne prend pas le vin. Est-ce qu'elle avait besoin de me demander ça? Non, d'accord. Ça, hein? On ne prend pas le vin. Est-ce qu'elle avait besoin de me demander? De l'eau. Elle a dit on ne prend pas le vin. On ne prend pas le vin à table. C'est tout. Est-ce qu'elle a besoin de me demander ça? Est-ce que tu as besoin de me demander ça? En tout cas, moi, je dis... Je dis qu'on ne prend pas le vin. On ne prend pas le vin. C'est tout. En tout cas, moi, je ne veux pas garder cette bonne. Je ne peux pas la garder ici. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? En tout cas, je ne peux pas. Quelle bonne qui vient au travail avec les cuisses en l'air. Bon, donc tu veux pas que je mange, c'est bon. Merci. Pardon, vous me laissez. Je ne veux pas qu'on... J'ai même hein, de l'eau dans le petit verre. On devait mettre le bazar. C'est bon, hein? C'est formidable. Très bon, très très bon. Quand tu regardes là-bas, mais... Je regardais si le dessert est prêt, oui. Bon, je crois que le dessert, c'est même pas la peine.
Donc, comme on ne sort pas aujourd'hui. On ne sort pas. Mais bon. Tu n'as même pas mangé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Je savais que j'avais une petite réception au travail. Bon, je vais prendre ma bonne douche. Et puis, alors, au lit, dodo. Bien. Une très bonne douche. Mais toi, maintenant, quand tu parles, c'est ta bonne. Quand tu fais ça, ta bonne. Tout ce qui sort, c'est bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est le français que j'ai parlé. J'ai dit la bonne douche, la douche. La douche, laver, bon. Je dis une bonne douche. Oh, qu'est-ce qu'elle veut comprendre, celle-là? Toi, là, tu n'es pas clair du tout. Ouf. Et le dessin? Oh non, le dessin, c'est pas la peine. Hey. Faut pas fermer la porte, hein, ce soir, hein. D'accord. Monsieur, hein? Vous m'avez promis de l'argent. Oh, je vais t'en donner. Nouvelle, madame. On m'a dit que vous cherchez une bonne là-dedans. Je suis venue pour travailler. Vous voulez travailler? Oui. Madame, excusez-nous. Je vais parler à ma soeur. Il n'y a pas de problème. Donne de moi, viens, je te parle. Hé, hey, mon café, je vais travailler. Je suis fatiguée maintenant. Ah. Bon, mademoiselle, on va étudier votre cas. Hein. On va vous informer. Après quoi? Hein? D'accord. Bon. Mm-hmm. Je m'appelle Bouboule. Ah, merci. C'est gentil. Merci, hein. Bouboule. Faut qu'on te souvienne. D'accord. On va voir ça. Ça va être, elle est en train de chercher un travail de bonne. Donc, je l'ai engagé. C'est pas comme si j'ai pris mon propre couteau pour me manger. Avec le bourgeon là. Ça, c'est pas ta mort, ça. Bien fait, sûr. Ton mari. On appelle ça les arguments. Ah, va bien ici. C'est argument ou argument en bas. Ça, c'est ton cadeau, ma chère. Je peux pas. Bonjour, Bima. Bonjour, monsieur. En tout cas, je suis très content de vous. Merci. Pour le foutu que vous avez fait hier, c'est excellent. Merci. Attention. Qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qu'il est mignon, mon patron. Non, mais monsieur, vous avez une tâche là. Mais la tâche, c'est ma femme qui l'a là, mais pas vous. Ah, ouais, mais ouais. Si votre femme ne voit pas, vous savez, on ne vit que seulement que le sein, monsieur. Mais attendez, ne faites pas ça. Oh, soyez sérieux. Bah, ça suffit, et moi, avec moi, ça ne prend pas ça. Hein. Vous êtes délicatesse, vous êtes avec votre patron là. Ce n'est pas avec vous, d'ailleurs, bien dit. Hein? Voyez-moi ça. Qui m'a envoyé cette histoire là ici comme bonne? Hein? Elle me saute au cou dans la cuisine. Ah, elle me fait des caresses. Non. N'importe quoi. Dans des mains. Je ne t'avais pas dit le jour là. Tu dis là. Pima. Là, maintenant tu. Hein? Pima, tu oses voir tata. Tu vas partir. Qu'est-ce on va aller voir tata. Vous pouvez non, allons voir tata. C'est quoi ça? Non, elle est renvoyée. Non, maman, allez. Appelle ce que vous voulez, mais en tout cas. Elle est renvoyée. Je ne veux plus la voir. C'est ce qu'elles font pour détruire le foyer des gens ici. Si c'est avec moi, ça ne prend pas. Comment ça? Tu as regardé si les enfants sont couchés? Les enfants sont. Elle dort déjà. Attends-moi quelques minutes. Parce qu'on ne sait jamais. Matin, depuis là, il n'arrive pas, j'ai le sommeil maintenant. Il sait que demain, je vais me réveiller tôt pour travailler, il me fait apprendre. Ah, c'est pas fermé. Oui,
J'ai vu que vous n'allez plus venir. C'est elle dort de pas. Hein? Il a fallu que j'attende plus. Madame. Oh, oui. C'est sûr que madame dort bien. Elle dort, elle dort bien. Oui, il est pas sale. La porte était fermée tout à l'heure. Ah, je comprends maintenant. On va voir ça aujourd'hui. Enfin, j'attends chez vous. Éteins la lumière. Ah, je vais enlever ça. Monsieur, vous êtes sûr que madame dort? Non, elle dort. Mais quand j'arrive, elle dormait. Ça me fait peur. Bon, attends. Ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Mais où tu sors pour aller? Tu peux regarder. Je m'appelle ici. Je m'appelle moi. Oh! Je m'appelle. C'est là-bas tu m'as arrêté là. C'est dans la si tu veux mettre à la tête. Non, non. Je croyais que je te balançais. Kata, c'est bien que je m'appelle ici. Je me suis trompé de temps. D'abonnement. Aujourd'hui, on ne va pas dormir ici. Tu as compris? Et toi, mademoiselle? Ton travail que tu es venu faire là, c'est ça. Ah oui, ça se comprend. Une boîte qui a les cheveux bien tressés, les mini, fondus jusque-là. C'est ça, hein? Non, non, faut pas avoir peur. Tu es Maribane, non? Tu es Maribane, non? Tu es Maribane! Tu es Maribane! Tu es quoi? C'est lui-même. Est-ce que c'est quoi? Laisse-moi ne me toucher pas, moi. Il t'a fait quoi? C'est lui qui avait été chercher. Je ne me touche pas. C'est lui qui avait été chercher. Moi, je suis une femme. Pas des bagages. Je n'ai pas de bagages. Tiens. Je pas tiré des bagages. Je suis une femme comme vous, sachez ça. Si vous ne savez rien faire pour votre mari, monsieur, c'est ma faute. Tu as raison, ma sœur, mais je dis sors. En attendant que j'appelle, tu vas sortir. Mais je sortirai. Je dis sors. Lève-toi tout de suite. Prends tes bagages. Vous cherchez le travail, vous donnez du travail. Vous cherchez mari déjà. Je dis, faut partir. Je ne vais plus te voir ici. Faut pas faire. Ici aussi c'est chez moi, je vais te dire ça. Parce que depuis longtemps, moi aussi c'est mon mari, je vais te dire ça. Ah, c'est ton mari. C'est ton mari. C'est ton mari. Mais laissez-moi partir. Ah donc c'est sa deuxième femme qu'il est venu mettre ici alors. C'est plus une bonne. C'est sa deuxième femme. Tu me vois, c'est sa une bonne. Ah bon. Mais en attendant, moi je suis ici, je suis sa femme. Je dis sors, prends la route. Prends la porte, je te dis. Regardez-moi ça. Lui, aujourd'hui, il va voir avec moi. Ah non, avec moi, ça ne prend pas. Hein. C'est ce qu'elles font ici, les petites filles-là. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'elles font pour détruire le foyer des gens. Hein? Mon ami Kaloua, son foyer détruit. Ah oui, oui. Mais heureusement que j'ai un bon mari. Mais le foyer de Mille, détruit. Le foyer de Kofi Kwadjo, détruit. Il m'a. Mais t'as dit, je vais. Mais tu t'imagines un peu ce qu'elle a fait avec toi. Plus de bonnes dans cette maison. Plus de bonnes. Je vais travailler. Mais j'ai eu une natation. Ça ne va pas, ça. Je ne veux plus la voir avec moi. Les bonnes de Côte d'Ivoire font peur, hein?